à la Roma, j'ai joué en Champions League, en Serie A, enfin, un plus grand club. Là, c'était l'Europa League. Des fois, on gagne des 4-0, j'en sais pas. Ça fait mal. Et ce qui se passe, c'est qu'entre-temps, ils font signer aussi un certain Arturo Vidal. Ok. Donc, on arrive en même temps à Leverkusen. Autant, à la base, le football, c'est ça qui te fait échapper des soucis de la vie. Mais autant, des fois, le football, c'est la cause de tes problèmes, en fait. Mm. 21 ans, tu roules en Mercedes, t'es là, qu'est-ce que tu parles, tu gagnes bien ta vie. Non. C'est pas comme ça. C'est compliqué. L'essence même du football, ça reste le jeu. Mmh. Au-delà de l'argent, au-delà de la fame, tout ça, ça reste le jeu. Donc, j'avais envie de partir en prêt. Moi, j'ai toujours voulu revenir en France, mais à l'époque, donc, il y avait Rudy Voller, qui était le directeur sportif de Leverkusen, okay. qui était avant la Roma, qui avait des morts avec la Roma. Il a tout fait pour récupérer la Leverkusen. Donc, je pars à Leverkusen avec la garantie d'avoir du temps de jeu, avec... un groupe jeune à l'époque, tout ça. À l'époque, il y avait Arturo Vidal qui commençait. Il y avait un bon groupe. Donc, je vais là-bas. Je suis même après 2 ans, même, pour te dire. Ok. Bah, je ne joue pas du tout parce que le coach, il ne voulait pas du tout me faire jouer. Ça veut dire que du début de saison, quand je signe là-bas jusqu'à décembre, je fais 0 match, littéralement. 0 match. Je pense que j'ai fait dépression là-bas aussi parce que je n'étais pas bien du tout. J'étais au bout de ma vie. À 21 ans, pas jouer, c'était grave pour moi. Et puis, donc, j'arrive à un moment, décembre, je me dis, bon, moi, je pars. Ils me font jouer mes 2 derniers matchs en décembre, mais bon, le choix était déjà fait. Toutes ces années-là, je ne sais pas poser la question, tu étais seul? Parce que là, maintenant, je sais qu'aujourd'hui, tu as une famille. Ouais. Je ne sais pas quand tout ça a commencé pour toi, mais tu étais seul à cette époque-là? Bah, ça a coïncidé avec la rencontre de ma femme, même si on se connaissait depuis très longtemps. Okay. Justement, et c'est là que je me suis dit, ça se passe mal au côté football, faut que je fasse en sorte que ça se passe bien aussi dans ma vie, que je sois bien entouré, tout ça, parce que je pense que c'est important l'entourage. Après, moi, d'un point de vue personnel, j'avais toujours envie d'avoir beaucoup d'enfants, tout ça, de me poser rapidement. Et j'ai eu la chance de trouver, d'être avec ma femme et on s'est rapidement marié. Hein. J'avais 22, 23 ans et après, mon premier enfant est arrivé dans la foulée. Donc oui, j'avais une envie aussi de m'accomplir aussi d'un point de vue personnel. Ouais. Je voulais pas que ma vie, même si je suis vraiment un fan de foot, hein, je suis un passionné de malade, mais j'ai pas non plus envie que ma vie ne tourne seulement autour de foot. Quoi. J'avais envie d'avoir une vie de côté aussi. Quand tu vis un épisode comme à Leverkusen où tu te dis, mais quand sur le terrain ça se passe mal et que t'as rien autour, la vie elle devient très vite très sombre. Exactement. Ben moi, c'est exactement ce qui s'est passé à Leverkusen. Parce que quand je rentrais après chez moi, ben la prochaine chose c'était attendre le prochain entraînement en fait. Et sachant qu'un entraînement ça se passait pas mal, je m'entraînais, mais je savais personnellement que le vendredi, le coach, en plus, il venait me voir dans le RGD, qui écoute. J'ai pas de convoqué. Des fois, ils me convoquaient dans le groupe, mais je ne rentrais pas. Ouais. Et des fois, ils me disaient non, mais là, pour te dire, là, on est 18, j'ai pas de convoqué. Je te laisse aller vers QCN. Si tu veux t'entraîner samedi. tu vois, au début, c'est ouais, c'est bon, pas de souci, on est là pour travailler tout ça. Mais quand à la Roma, j'ai joué en Champions League, en Serie A, enfin, un plus grand club. Là, c'était l'Europa League. Des fois, on gagne des 4-0, je rentrais pas. On perd des 4-0, je rentre pas. Ça fait mal. Ouais. Au mental, ça fait mal et c'est là que c'est compliqué. Et c'est là que je me dis, ouais, il faut que je me fasse une vie aussi, une vie sobre, une vie saine. Ok. Et juste dernière question sur Leverkusen, pourquoi le coach ne te faisait pas jouer? Parce qu'il ne voulait pas, tout simplement. C'est quoi? C'est une question de profil? C'est une question d'affinité? Il ne pouvait pas te sentir? Il m'appréciait. C'est pas qu'il ne m'aimait pas parce qu'après, on s'est recôtoyé. À l'époque, quand j'étais en Turquie, il faisait coach en Turquie. Donc, on s'est parlé un peu, 10 ans après. Mais non, parce qu'il avait, son 11 en fait. En fait, c'était ce genre de coach qui ne font pas tourner. Ok, je vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis arrivé en cours de saison, cours de préparation, parce que j'avais fait le tournoi de Toulon en juin avec l'équipe de France Espoir à l'époque. Donc, j'étais en train de discuter avec les différents clubs. J'avais des clubs de Ligue 1, enfin, j'avais tous les clubs de Serie A qui me voulaient en prêt. Et les Verkusen rentrent dans la danse en juillet, donc on discute, je l'ai visité. Le salaire, il est très bien, le contrat, il est carré. Tu sais, il me passe le numéro 4 et tout. Il me dévoile le tapis rouge, hein, littéralement. Il déroule, pardon, le tapis rouge. Et je me dis, bah, allons-y, c'est un bon club, ça paye bien, c'est intéressant, ça fait jouer les jeunes. Europa League, on y va. Ils me disent que je suis titulaire, enfin, pas de souci.
Et ce qui se passe, c'est qu'entre-temps, ils font signer aussi un certain Arturo Vidal. Ok. Donc, on arrive en même temps à Leverkusen. Et à la base, en fait, il arrive en tant que latéral. Et donc, c'est les premiers matchs de championnat. Moi, j'étais pas encore en pleine forme. Donc, le coach me dit, bon, bah, les premiers matchs, on va te mettre sur le banc pour que tu observes, tout ça. Tu vois, il n'y a pas de souci. Je me rappelle, on joue contre Hambourg. À l'époque, c'était des Van der Vaart. À l'époque, il y avait encore Compagnie là-bas, tout ça. Et Van der Vaart, il fait tout à Vidal sur le côté, en fait. Il tue Vidal, Vidal latéral, il lui fait tout, donc il est déboussolé. Le match d'après, on joue contre un club promu, c'était Karlsruhe, et il dit, du coup, j'ai dit, bon, bah, je vais faire un essai, je vais mettre Vidal en 6, avec, à l'époque, c'est Rolfes le capitaine. Et là, il sort un match incroyable, mais trop fort, et il est trop chaud. Et à ce moment-là, bah, c'est les deux qui restent. Okay. C'est les deux qui restent, ils font quasiment tous les matchs ensemble. Et en plus, à l'époque, on tournait vraiment bien. On faisait la bourre avec le Bayern de Munich, qui était fort, avec Ribéry, tout ça. Mm-hmm. Et donc, ils ne faisaient pas tourner. Et là, après, je ne sais pas si c'est aussi qu'ils sont de profil, parce que même quand il fallait faire des changements, ils faisaient rentrer un jeune du club, ils faisaient rentrer, à l'époque, c'était un très ancien joueur qui était quasiment à la retraite, mais qui devait jouer. Je ne sais pas si tu te rappelles, il s'appelait Ramelot, un grand milieu de terrain qui jouait à Leverkusen, ancien capitaine, tout ça, blond, enfin bref. C'était sa dernière saison. Donc, dès qu'il fallait faire rentrer, il faisait rentrer lui à ma place. Ok, ouais, je vois. Moi, je jouais pas. En fait, je jouais pas. Je jouais littéralement pas, même pas une minute. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait un souci. Ouais. Après, quand j'allais le voir, il me disait non, mais sois patient, il faut que tu t'acclimates au championnat allemand, c'est pas comme l'Italie. Ça reste du football. Ouais. Quoi. Le voleur qui était assez gêné, parce que c'est lui qui m'a fait venir, qui me disait ouais, Ricky, sois patient. Et même quand je voulais partir en décembre, ils m'ont dit non, reste, s'il te plaît, tu vas jouer. J'ai fait, les gars. J'ai fait 2 fois 10 minutes en 6 mois, je ne peux pas rester. En plus, c'était à l'époque où j'étais en espoir, tout ça, j'étais plus appelé en espoir, je pétais un plomb. Donc, Tout ça, ça a joué sur ton moral au point de peut-être toucher à une dépression. Après, on n'a pas le diagnostic, mais c'est comme ça que tu l'as senti. Bah, en fait, avec le recul, aujourd'hui, maintenant, avec l'expérience que j'ai acquis, tout ça, à la trentaine, j'avais les symptômes d'un dépressif. Mm. Tu sais, quand tu restes assis dans le noir pendant des heures et des heures à rien faire, ouais. Juste à réfléchir, bah, c'est des symptômes dépressifs. Quand tu ne dors pas la nuit, tu ne veux pas aller au travail, tu ne veux pas être entraîné, tu n'as qu'une envie, c'est de repartir chez toi parce que tu sais que en fait c'est un cercle vicieux. Parce que autant à la base, le football, c'est ça qui te fait échapper des soucis de la vie, mais autant des fois, le football, c'est la cause de tes problèmes en fait. Mm. Donc quand je suis chez moi, ah, je suis pas bien, j'ai pas vu dans l'entraînement, mais d'un côté, c'est bon, je vais jouer au foot, mais je vais m'entraîner. Je sens la patate, je sens un peu la douille, donc je me dis, vas-y, t'es pas bien aussi, donc tu veux vite rentrer chez toi. Mais dès que tu rentres chez toi, c'est la même t'es chose. Pas bien. T'es pas bien, ouais, t'es en dépression, littéralement, t'es en dépression. Après, bon, j'avais aussi un peu ma vie, j'essayais de vivre ma vie, mais à 21 ans, c'était pas une vie. Ouais. C'est là que tu vois qu'il y a des cas, il y a des vrais cas, en fait. Nous, on se dit, ouais, le mec, il est. Tu sais, à l'époque, je roulais en Mercedes, hein. Donc personne ne savait que j'étais en mode dépressif. À 21 ans, tu roules en Mercedes, t'es là, qu'est-ce que tu parles, tu gagnes bien ta vie. Non. C'est pas comme ça. C'est compliqué. Et du coup, tu arrives à Nantes après, et là, pour le coup, ça se passe beaucoup mieux. Ouais, beaucoup mieux. Bah, je retrouve du temps de jeu, je prends du plaisir à jouer. En plus, on est en Ligue 2, on monte facilement en Ligue 1, donc il y a aussi un objectif qui est atteint. C'est tout pour l'extrait d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour être sûr de ne pas rater l'épisode complet qui sort la semaine prochaine. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur Instagram parce que c'est là que je suis le plus actif et que j'interagis quotidiennement avec vous. Je vous invite également à me rejoindre sur TikTok pour des extraits de podcasts inédits et du contenu exclusif. C'est tout pour moi et en attendant la prochaine fois, peace!